Bon alors, qu'est-ce qu'on a ici? Des arbres, des arbres, des arbres. En clôture de voisinage, quoi. Donc j'ai déjà commencé, comme d'hab, moi j'arrive, j'allume ma machine, ça y est, c'est parti. Alors que j'ai oublié de faire une petite vidéo, on peut faire une petite vidéo ici. Donc des arbres, ça c'est la clôture. Et le problème c'est que bah, là on va tout enlever, parce qu'il y a un petit souci avec la petite tempête il n'y a pas longtemps. Il y a quoi, 2-3 jours, parce que là je suis en urgence. Là. Regarde-moi ça chez le voisin. Oh, qu'il est beau. Le gros grisard. Tombé chez le voisin. En fait, il est parti avec la motte. De l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Du gel, du dégel, du vent. Boum, parti, au revoir. Et ce con, là, quand il est parti avec la souche, bah, tous les racines, elles sont pourries, tout est pourri, trop d'eau. Et bah, il a soulevé les deux là. Bon, on va peut-être pas le voir en vidéo. Enfin bref, ceux-là, ils sont posés sur lui. Donc là, il manque plus que... Enfin, prochaine tempête, il se casse la gueule, mais on sait pas trop où. Du coup, on m'a appelé pour bah, tout sécuriser, tout abattre, tout sécuriser. Donc on va envoyer ça dans le jardin ici. Il y a de la place. Voilà, voilà, je te remontre ça fin de chantier. Parce que faut tout enlever. Parce que là, ils en ont marre des branches qui tombent et des enfants qui jouent dans le jardin, tout ça. Donc on va couper, après ils vont refaire la clôture. Allez, prochaine. On va taper la clôture. Il va là. Plus de poils. Bon voilà, les trois sont partis. Et la souche elle venait avec. Donc dû faire une entaille qui n'était pas prévue. Mais la souche elle s'est soulevée donc hop, petite entaille directionnelle avec lui. Lui et lui, les trois d'un coup. Boum, bah j'aurais visé là-bas. Et ça a été à là parce qu'il y avait des petites branches. Enfin bref. Saison, il y a un chalet à côté chez le voisin. Donc c'était ou le chalet ou bien dans le jardin. Bon bah j'ai pris bien dans le jardin. Là c'est le client qui débroussaille un peu avec moi. Voilà, bonne chose de faite. Maintenant, il y a encore le reste. Ça coupe, ça coupe, ça coupe. Encore lui. Encore lui, mais regarde comment il penche. Ça va être super facile. Enfin, super facile. Ouais, non, parce que. Il est pris dans le grillage. Le grillage il l'a avalé. Donc ça c'est la merde. Donc je peux pas l'abattre de là quoi. Je vais devoir faire des coupes à hauteur de visage quoi, 1m80. Ça c'est vraiment pas terrible. Bon je vais bricoler un truc. Je vais pas grimper dedans non plus parce qu'il peut s'arracher. Il y a tellement de poids, tellement de. Il part tellement de l'autre côté qu'il peut s'arracher, il va tomber trop vite. Lui ben c'est la tempête qui l'a fait tomber, donc c'est bien, hein, avec les racines et tout, les souches. J'ai fait tomber qui là? Oh je l'ai fait tomber plein. Lui là-bas, 1, 2, 3, je sais plus, celui-là aussi. Bon, le mec, enfin, j'ai cordé, le gars il l'a tiré quoi. Donc, ça, boum boum, il est parti, lui il est parti, lui je dois le faire. Le problème c'est que là-bas il y a une clôture, il y a un grillage, c'est une voyette. Et si je coupe la tête part dans le grillage et ça défonce tout le grillage. Donc, je vais devoir bricoler un truc, couper les branches basses et refaire descendre la tête tout doucement, enfin, ça, ça va être le merdier. Là, tac, ça c'est fait, je vais faire le boulot. Oh, j'aurais dû filmer, mais j'ai pas de trépied, j'ai rien encore. Je dois en avoir, hein, mais j'ai pas encore. Donc là, le boulot, en direct, boum boum. C'était limite, d'ailleurs je vais aller voir, je vais même pas au départ. Ça devait être limite aussi avec le grillage. J'aurais mis tout droit, c'était mort, il était dans le grillage. Donc je l'ai mis en biais, bon ça va, j'avais encore 1 mètre. Ah, ouais, 2 mètres. C'était juste quand même. Tu vois, j'aurais mis droit, boum, plus de grillage. Donc je l'ai mis quasiment, ça je l'avais gardé pour protéger le cabanon. Donc ça c'est bien. Et du coup il a allongé la branche là. J'ai envoyé un peu sur l'arbre. Et avec la branche qui est là, bah pouf, ça m'a aidé pour l'allonger ici. Tu te sers des éléments quoi. Ça sert à rien d'avoir une machine à 10 000 euros si tu te sers pas des éléments. T'arriveras pas. Donc là il est en biais, nickel. Bah lui, il va falloir que je démonte là-haut. Faut que j'enlève celle-là. Ça part chez le voisin là-bas. Et après, bah là il y a tellement de branches là que... Mais par contre il y a le cabanon, donc je vais devoir viser là. Ouais bah ça va être chaud. Faut que je fasse l'entaille par ici pour sauver le cabanon. Mais le poids il est au-dessus du cabanon. Tout ça c'est au-dessus de la cabane. Là, misérace. Et puis lui, bah lui c'est le triple. Hein. Normalement il, le mec qui a filmé. Le triple abattage en une seule fois. Boum boum, il est parti chez lui. Il est en train de débiter. Faut que j'enlève ça là. Ça se termine tranquillement. C'est bon. Il est plus là, regarde-toi, il était là, et maintenant il est là. Pff.
que c'était chaud quand même. Enfin, la tronçonneuse en équilibre sur l'échelle. C'était du gros n'importe quoi avec la 44. Là. Regarde-moi ça, la grosse charnière que j'ai laissée. Mais tellement de poids qu'il est parti vite quand même. Il est parti vite et après bah, j'ai continué. Oh, il y a un gros nœud là. Ah oui, il y avait une branche. Bah non, il n'y avait pas de branche. C'est pas ce que tu veux. Bah bref, tu vois, les nœuds ça peut changer la direction. J'avais laissé plus de charnière ici pour que ce soit plus vers le milieu du jardin, quoi, entre les deux clients. Parce que là, il y a pas, il y a une clôture, puis il y a un bâtiment là-bas. Donc je voulais pas trop qu'ils partent là-bas. Donc j'ai visé là-bas, là, tu vois, l'entaille là-bas et l'arbre là-bas. je peux pas mieux quoi. Et en plus, il y avait tout du poids. Enfin, le poids, il était comme ça. Donc fallait viser par là pour qu'il arrive ici. Nickel, quand même. Bam, bam. Ça, c'est du bon travail. Bon, t'as un peu les jambes qui tremblent en équilibre sur ça avec une grosse machine, mais bon. C'est le but du jeu, hein. Et puis voilà, tac, tac. Plus qu'à débiter. Pas se prendre ça sur la tronche. Mettre les casques. Et puis, bah voilà. Regarde, nickel. Grillage, nickel. J'ai encore de la place. Par contre, toi, j'aurais visé ici. Bah, y arriver là et badaboum. Du coup, fallait vraiment viser sur la clôture. De toute façon, leur clôture, ils vont leur faire tout y est défoncé. Putain, ici les ronces et tout. Oh là là. Carnage. Et t'as beau cochon, là. Cochon, chèvre, mouton, hop, plus rien. Tu peux refaire un gazon. Et puis voilà. Voli, voli, volou. Allez, au suivant, encore lui là. Le dernier. Après, tout est parti. Tout est parti. Ça y est, il est parti. Là où je voulais, mais pouah, c'était trop dur. C'était de l'adrénaline, du stress, tout ce que tu veux. Là. Il est parti, là où je voulais. Mais pour redresser un truc pareil, accroché là, vite fait. Oh, il y a des enfants. Tout le poids était sur la cabane. J'ai fait l'entaille carrément à l'opposé, là-bas. Et le poids de la cabane, plus l'entaille là-bas, eh ben, il est parti là. Du coup, trop bien. La cabane, elle est intacte. C'est arrivé ici. Par contre, adrénaline, tu vois pas ce qui restait là. Il restait que ça pour qu'il parte, il voulait pas partir. Trop compliqué. Bien le bonjour les petits pirates. Allez, c'est retour sur chantier. Ça sert à rien de me parler, je vous entends pas. Et déjà même moi, je m'entends pas top quoi. Bref, je vous pose la caméra, je vais vous montrer ce qui se passe sur le chantier quand je débite. Est-ce que c'est intéressant? J'en sais rien. Sûrement pas. Mais bon, comme on me demande ce qui se passe dans la semaine, quand je suis pas dans le jardin, et ben voilà ce qui se passe. Des gros arbres comme ça qui tombent. Et maintenant, il faut tout ranger. Bon, je te pose sur mon nouveau trépied super cool. Hop, hop. Et puis voilà, l'image, elle sera fixe. Il n'y a plus qu'à. À tout à l'heure. Bon, lui c'est fait, normalement j'ai dû mettre la vidéo quand j'étais en train de travailler, ça c'est fait, et là il me reste plus que ça. Bon, j'ai pas filmé parce que je peux pas passer mon temps à filmer, sinon je vais, voilà quoi, je vais pas y arriver. C'était chaud parce qu'en fait il y a un grillage en dessous, voilà. Je sais pas si on le voit, mais et il était dans le grillage ce con, donc j'ai dû débiter des morceaux, et puis je te montrais après le tronc, là je l'ai fait craquer pour qu'il se pose. Ouais, il y a un contre-jour. Enfin bref, il y a le grillage et il y a les branches quoi. Voilà, ça craint. Ça craint pour le grillage. J'ai essayé de le faire craquer sur le côté. Mais j'y crois pas. C'est un peuplier grisard, du coup il casse tout seul. C'est super léger quoi, c'est de la merde à chauffer, c'est de la merde peuplier quoi. Ouais il peut plier mais il peut casser, regarde-moi ça. Donc ça c'est fait exprès. Hein. J'ai fait des petites entailles ici, hop, des petites oreilles de poisson là.
Et puis après je l'ai fait craquer, donc il s'est posé tranquillement. Il s'est posé tranquillement là-bas, sur les pieds que j'avais laissés en bas. Et du coup, bah regarde, le grillage est nickel. Hop, il n'a pas bougé le grillage. Et là par contre, il est beaucoup trop gros et je crois que le grillage il va manger. C'était pas prévu, mais je vais essayer de le faire pareil, de le laisser tomber tout doucement. Mais au bout d'un moment, il plie quoi, gars. Il fait même pas le... Je voulais qu'il se pose tranquillement, mais... Enfin, il s'est posé tranquillement, mais... Ça plie, ça plie. Bref, ça va être chaud. Ça, c'est du chaud, chaud, chaud. J'espère qu'il va y avoir un grillage à la fin de la vidéo. Bon, c'est mort, je vais tout péter. Le truc, c'est qu'il me reste 3 bras encore. Et qui posent par terre. Je pense que je vais les enlever. Essayer de gagner 1 mètre ou 2. Pour que l'atterrissage soit moins violent. Bon, après la souche elle est encore connectée hein. Ça c'est pas moi qui l'ai battu, jamais j'aurais battu au dessus d'un grillage, jamais jamais, pour être emmerdé après. Et la souche elle est partie en fait, si vous suivez bien c'était une tempête hein. Regarde la souche elle est là, l'arbre il est parti, j'ai abattu tout ça parce que tout est parti avec. Lui il a soulevé tous les autres, donc piqûre de rappel hein, au cas où vous avez oublié, parce que moi c'est mon deuxième jour, il y a 4 jours entre les deux chantiers, donc bon, piqûre de rappel. Mais le délire c'est que bah ouais, il est encore accroché. Mais il est quasiment par terre quoi, la souche elle est... Tout est pourri en dessous. Bon, allez, je tente les pieds là. Si j'enlève le pied là, enfin le bras, ça se pose sur le bras que j'ai laissé là. Là j'en ai laissé un ici. Comme ça quand il va descendre, pouf, il va se poser et lui il sera pas par terre. C'est l'idée, c'est le calcul. Alors là, est-ce que je vais y arriver? J'en sais rien. Sinon on refait un grillage, c'est pas grave. Mais bon, j'aimerais bien le faire correctement quoi. C'est mon délire hein, de travailler correctement. Et là il est haut. Pouf, allez, atterrissage là. Ça va tout péter. Bon, allez, on tente. Descendu tout doucement, sans péter le grillage. Franchement, on est bien. On est bien, on est bien, on est bien. On est bien. Mais franchement, du bon boulot, non? Qu'est-ce que t'en penses? Même pas cassé le grillage. Franchement, j'y croyais. Je croyais vraiment que le grillage allait. Si j'ai envoyé la tête complète, le grillage était explosé. C'était sûr. Même les poteaux explosés.
Non, il n'y a rien du tout. Regarde, là, je suis dans la voyette, quoi. C'est une voyette derrière. Il y a des branches dans la voyette, mais... Le grillage est nickel. Oh, là, il y a un petit peu mangé. Oh, ouais, là, il y a plié. Regarde, hop. Tac. Tac. Eh, ni vu ni connu. réparation de grillage. Bah, nickel. Oh, peut-être là, il y a une petite virgule, là, un petit truc, là. Oh là là, celui-là, regarde. Oh là là, les dégâts. Je vais devoir rappeler mon assurance. C'est bon, il n'y a pas besoin d'appeler. Trop content. Putain, le machin énorme. Donc là, autre technique, du coup, de toute façon, tu réfléchis, c'est un métier où faut pas faire le gros bourrin avec ta grosse machine, là, débile. Tu dois toujours réfléchir à un autre moyen de faire mieux, machin. Donc je sais pas ce que ça rend la vidéo, je sais pas. J'ai posé la caméra, mais je sais pas du tout ce que ça rend. Donc je connais pas mon montage. Tu vois, bah, je l'ai fait craquer, quoi. Bam, bam. Tout doucement. Je me suis servi des branches pour faire des trépieds, quoi. Des pieds. Et puis tu fais craquer le tronc, tout doucement. Tu vois, je faisais petit à petit, alors voilà, j'explique quand même au cas où, je sais pas ce que ça donne ma vidéo, mais j'étais arrivé ici, je suis reparti là-bas, j'ai débité ce que je pouvais à hauteur d'homme, pour pas que ça arrive dans le grillage. Après j'ai repris, je sais pas, 5-6 cm, ça a recraqué, j'ai reparti là-bas, enlevé les branches, et puis voilà, bah, j'étais arrivé ici, le tronc était par terre, quoi. Voilà, tout doucement, sans faire le port, sans tout enlever. Ouah, tout seul, comme un grand. Ah ouais, je suis grand maintenant, j'ai grandi. Avec des métiers comme ça super durs, t'es obligé de grandir. Moi, je vais prendre la grosse, je vais peut-être poser la caméra, ouais, je vais vous montrer. Avec la grosse machine, hop, je vais prendre ça, je vais poser ça sur le trépied. Et puis, bam, 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 débitage. C'est de pas trop filmer à la maison quand même, parce que bon, pas terrible, même si on s'en fout. C'est pas très grave. Je vais me mettre là, boum, bam, bam, bam. Et ça va tomber du bois, là aussi du bois. T'as au prix du bois, laisse tomber, ils ont une paire de sterres. Ils sont tranquilles en chauffage. J'espère déjà qu'ils ont une cheminée. Je vais même pas demander. S'ils sont chauffage pelé, ils sont morts. Ça sert à rien. Bon, après, c'est du papier, c'est pas foufou non plus. Bon, allez, je vous pose, je continue. Tant que je suis chaud là. Ça se termine, ça sent bientôt l'apéro, la fin du chantier. Allez, le boulot c'est fait, le boulot, le frein, là il y a un petit frein, boum. Le boulot c'est fait, squelette, du bon boulot. Peuplier, ah bah il y a plié, c'est bon, ratatiné. Le squelette il est fait, peuplier. Voilà, tout le gros là, après ils vont tout déplacer, ils vont tout ranger, ils vont tout déplacer, moi je fais pas, c'est pas prévu dans le contrat. Il y a encore déjà débité en 50, je crois que c'était même pas prévu. Si les 50 c'était fait, c'était prévu mais pas ébranché. Puisqu'ils ont une machine. Moi je l'aurais fait, c'est rapide. Il me reste encore un frein ici. Il y a un frein là-bas. Et tout l'autre côté c'est fait. Voilà. Il n'y a plus rien. Il y avait plein d'arbres ici, on voyait pas le ciel. Mais la tempête elle a voulu faire du tri. Donc voilà. Normalement il n'y aurait pas d'être humain, mais c'était là. Et puis matière organique quoi. Création du sol, de la terre, les animaux, les insectes, la décomposition, les champignons surtout. Le plus important c'est les champignons. On parle toujours des vers de terre mais c'est les champignons la base. Et après c'est les vers de terre. Allez, oh là là. Mon dos il me dit rentre à la maison et ma tête elle me dit vas-y continue, t'es chaud. Oh,
Et voilà, c'est fini, chantier d'abattage, les arbres en squelette, là-bas c'est fait, là-bas chez le voisin c'est fait aussi, bam bam bam, là un petit peu rangé vite fait, c'est lui qui l'a fait, il a rangé les branches, il y a encore tout ça à ranger, moi je reviendrai plus tard pour l'aider à couper les troncs, parce qu'il n'y a pas la grosse machine, il va galérer, là, il y a un gros tronc aussi ici, mais il faut qu'il débarrasse, il y a plein de morceaux de ferraille, de béton, de trucs, moi je coupe pas là-dedans, c'est mort, il y a du grillage là, barbelé avec des ferrailles, oh là là. C'est moi, je travaille pas dans des conditions comme ça, moi. Donc il débarrasse et je reviendrai plus tard. Et voilà, du coup, fin de chantier. Merci d'avoir vu la vidéo et à ciao, bye bye. Et merci Kev Concept pour son super trépied et pour me donner de la qualité d'image.